Le Sénat gabonais a 19 ans d'existence ce 10 mars 2016. En effet, l'avènement de la démocratie au Gabon en 1990 a débouché sur la formation d'un cadre institutionnel qui a permis la restructuration et la création de plusieurs institutions dans l'optique de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie au Gabon. Le Sénat gabonais, l'une des institutions qui composent le Parlement bicaméral du pays, a vu le jour le 10 mars 1997 par la volonté et l'obstination politique avisée du président Omar Bongo Ondimba, qui souhaitait pour le Gabon le passage d'un Parlement monocaméral à celui bicaméral, avec pour mission principale de servir d'interface entre l'exécutif et les collectivités locales. Feu Omar Bongo Ondimba entendait donc par cette initiative ériger également la haute chambre du Parlement gabonais comme levier supplémentaire et incontournable du système politique gabonais pour davantage renforcer la démocratie. La création du Sénat au Gabon a connu une longue marche et des débats interminables, car la première initiative de la mise en place d'une seconde chambre du Parlement gabonais remonte aux années 90, années au cours desquelles le Gabon a renoué avec le multipartisme à travers la conférence nationale tenue en cette année. Mais le projet de loi soumis à l'examen des députés de la 8e législature avait été rejeté. À cette époque, de nombreux arguments furent avancés pour justifier de l'inopportunité de l'instauration du bicaméralisme au Gabon. Quelques temps après, en 1994, lors de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, examinant le projet de loi portant révision de la Constitution du 26 mars 1991, le ministre de la Justice, garde des Sceaux de l'époque, Serge Mbabe Kalé, expliquait au nom du gouvernement les raisons de cette révision. Lesquelles raisons répondaient à la nécessité d'adapter la loi fondamentale gabonaise à l'évolution de la vie politique nationale et de mobiliser davantage les énergies de la nation face aux défis multiples du moment et ceux à venir, avait argué le ministre devant les députés. Une démarche qui trouvera l'assentiment de la représentation nationale et aboutira à l'adoption, le 18 mars 1994, à la révision constitutionnelle qui consacrera la création de la deuxième chambre du Parlement gabonais. Le Sénat siégea pour la première fois le 10 mars 1997 sous l'autorité de M. Georges Rawiri, sénateur de la commune de Lambaréné et premier président du bureau de l'institution. 19 ans après la mise en place du Sénat, qui vit en cette année 2016 sa quatrième législature, l'expérience du bicaméralisme au Gabon se poursuit et se conforte d'année en année, surtout avec l'élection le 27 février 2015 d'un nouveau bureau et de son nouveau président, le docteur Lucie Milebou Aubusson, épouse Mbutsu, succédant ainsi à Mme Rose Francine Rogoumbé, une autre femme qui a marqué l'histoire du Sénat gabonais. Médecin de formation et sénateur de la commune de Fougamou dans la province de Langouni, la candidature du docteur Lucie Milebou Aubusson, épouse Mbutsu, avait recueilli l'unanimité de l'ensemble des sénateurs. Elle devenait dès lors le quatrième président du bureau de la haute chambre du Parlement gabonais pour la législature 2015-2021. Au Sénat, le bureau est l'instance décisionnelle. Il est composé de 15 membres, un président, 6 vice-présidents, 6 secrétaires de bureau et 2 questeurs. Le bureau est élu conformément au texte prévu par la loi fondamentale
15 jours après la délibération du vote par la Cour constitutionnelle. Toutefois, d'autres organes d'importance y existent, notamment les 6 commissions permanentes, les groupes parlementaires, les groupes d'amitié, ainsi que les réseaux de coopération parlementaire, notamment le REFSEC, dont l'actuel président du Sénat assurait encore la présidence jusqu'à sa récente élection. Le bureau du Sénat est l'organe suprême de délibération et statue en dernier ressort sur toutes les décisions qui concernent la vie et le fonctionnement de l'institution. Chambre haute du Parlement, le Sénat a pour mission première de voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et consentir l'impôt, en plus d'être le défenseur des intérêts des collectivités locales. Le Sénat a aussi pour mission d'assurer la permanence de l'État. Depuis son élection en février 2015, le bureau qui conduit la 4e législature s'attelle à poursuivre le travail entamé dans notamment l'action législative. Il faut souligner à ce titre que le Sénat dispose de la primauté dans l'examen des propositions et des projets de loi concernant les collectivités locales. Il soutient en outre le développement de celles-ci en accompagnant la politique de la décentralisation dont la loi organique vient d'être promulguée par le chef de l'État. Cet instrument juridique devra pour ce faire constituer un levier essentiel dans la mise en place d'une organisation de l'administration territoriale, ce qui permettra de définir un nouveau cadre de développement durable et une gouvernance de proximité telle que l'a rappelé le président du Sénat lors de son discours d'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2016. En 4 législatures, de 1997 en 2016, la haute chambre du Parlement gabonais a connu 4 présidents. Les présidents Georges Raouiri, de 1997 en 2006, René Randomino Koniquet de 2006 en 2009, Rose Francine Rogombe de 2009 en 2015, et depuis le 27 février 2015, le docteur Lucie Milebou Obusson épouse Mboutsou préside au destiné la 2e chambre du Parlement gabonais. Le Sénat gabonais a 102 vénérables sénateurs élus au suffrage universel indirect pour 6 années. Ce sont des hommes et des femmes représentant les 9 provinces du Gabon et venant de tous les milieux socio-professionnels du pays. Yeah.